Salut, bienvenue dans Musicam Scribere, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Dans l'épisode 9, on a vu la définition d'une gamme et des notes conjointes et disjointes. En Occident, du baroque tardif jusqu'au début du XXe siècle, et dans un contexte tonal, désolé mais la précision est vraiment importante hein, parce que la théorie musicale c'est bien moins réducteur que ça, et ben on définit une gamme comme étant une suite de notes. Les gammes les plus utilisées contiennent les 7 notes suivantes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Après Si, on reboucle sur le Do. Mais attention, ça veut pas dire qu'on a que 7 hauteurs de son possibles. En fait, on a une unité pour mesurer cet espacement entre les notes, c'est le ton et le demi-ton. Un ton entier vaut 2 demi-tons. Ça, c'est logique. Alors je m'attarde pas non plus sur les commas ici, hein. C'est une subdivision encore plus petite qui coupe chaque ton en 9 parties. Entre le Do et le Ré, il y a un ton complet. Entre le Ré et le Mi aussi. Ça veut dire que la différence de hauteur entre un Do et un Ré, c'est la même qu'entre un Ré et un Mi. Par contre, entre le Mi et le Fa, on n'a qu'un demi-ton. C'est-à-dire que l'intervalle entre le Mi et le Fa est plus petit qu'entre un Do et un Ré, ou entre un Ré et un Mi. Écoutez. S'il y avait un ton entier entre chaque note, on aurait ça. Cette dernière note n'est pas un Fa bécard, c'est un Fa dièse. C'est-à-dire qu'il est plus aigu d'un demi-ton qu'un Fa naturel. On en reparle un peu plus loin. Juste avant d'expliquer ce que sont les altérations, j'aimerais prendre l'exemple de la gamme de Do majeur, qui ne contient aucune altération, pour vous montrer les agencements entre les notes qui la constituent. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. L'intervalle entre chacune de ces notes ne vaut pas la même chose. Entre le Do et le Ré, on l'a vu, on a un ton entier. Entre le Ré et le Mi, on l'a vu aussi, on a un ton entier également. Entre le Mi et le Fa, par contre, on a un demi-ton seulement. Sur le clavier de piano, ça se voit bien parce qu'on n'a aucune note noire qui s'intercale entre le Mi et le Fa, deux notes blanches. Entre le Fa et le Sol, il y a un ton entier. Entre le Sol et le La, un ton entier. Entre le La et le Si, un ton entier. Et entre le Si et le Do, on a là encore qu'un demi-ton. Et ce demi-ton-là, d'ailleurs, il est hyper important en musique tonale. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Si on utilise un ensemble de notes qui se suivent avec cette échelle d'intervalle précis, on a une gamme dite majeure. Pour l'instant, on va aborder le principe des altérations. Une altération, c'est un signe qu'on peut placer à deux endroits de la portée. Alors pour l'instant, on va parler que des altérations qu'on indique devant une note. Le signe dièse permet d'augmenter la hauteur d'un son d'un demi-ton. Ici, par exemple, je jouerai un Fa dièse et non ce Fa-là. Le signe bémol permet d'abaisser une note d'un demi-ton. Là, cette fois, j'aurai un Si bémol et non ce Si-là. A noter, et c'est très important, que lorsqu'on place une altération sur une note dans une mesure, par exemple sur un Ré, et bien tous les Ré qui seront écrits dans la même mesure seront altérés. Exemple, ici on joue un Ré dièse, et plus loin dans la même mesure on a de nouveau un Ré. Et bien ça sera également un Ré dièse. Mais évidemment, on a un moyen d'annuler ces altérations, et c'est le signe bécard. C'est bien fait, hein. Le bécard permet d'annuler un dièse ou un bémol. Donc par exemple, si dans une mesure je joue un La bémol, normalement tous les autres La de la mesure devront être des La bémol. Mais si je veux que ce La-La ne soit plus bémol, eh ben je place devant un signe bécard, et voilà. Le bécard sert à annuler une altération, mais c'est surtout une précision de l'état non diésé ou bémolisé d'une note en fait. Petite remarque, il est possible de jouer une note qui a le même son, mais pas le même nom du coup. Bah oui, sans contexte harmonique, c'est-à-dire sans tonalité établie, on peut considérer que cette note c'est un Ré dièse, mais ça peut être aussi un Mi bémol. Pareil pour cette touche. Ça peut être un Si bémol ou un La dièse. Et ça marche aussi avec les touches blanches. Ici on peut avoir un Do bécard ou un Si dièse. C'est ce qu'on appelle l'enharmonie, on en reparlera plus loin dans la série. Les altérations peuvent aussi se trouver en début d'une portée, après la clé. On parle d'altérations constitutives, elles forment l'armure du morceau, ou armature. Elles signifient que chaque note concernée va être dièse ou bémol. Si j'ai 3 dièses sur ma portée, ça signifie que tous les Fa de mon morceau, les Do et les Sol, seront dièses. Sauf évidemment si à un moment dans la musique, je place un bécard devant une de ces notes. C'est ce principe qui permet de définir les tonalités, mais ça sera pour une prochaine fois. Cet épisode est terminé, je vous retrouve dans le suivant pour détailler les différents intervalles, ce qui découle directement de ce qu'on vient de voir. Bonne douche, hydratez-vous, écoutez de la musique, bisous !